Yo les amis, ici Oninja pour une nouvelle vidéo. Yo gang, ici Oninja pour une review que j'attendais depuis longtemps. La valise de Norba Dragono. Et oui, j'ai fini par me l'acheter. Dans une fois, il y a des trucs que je m'achète pas. Et les kits Jurassic Park et Jurassic World. Jurassic Park, je vais faire un review aujourd'hui. Et Jurassic World, j'en ai un que je vais review sûrement aujourd'hui. J'en ai un autre que j'ai commandé. Alors, la valise. Ben, c'est une valise. Et bien heureusement, c'est pas juste un truc décoratif comme ça. Ça s'ouvre. C'est un playset. Pour les jeunes. Pour les jeunes, désolé. Alors, on a la valise en soi. Elle est assez grande. Avec beaucoup de choses. Ça va être assez long à reviewer. C'est pas comme les autres kits que j'ai fait tantôt. C'est vraiment. C'est du kit à 65$. Alors, si vous voulez la procurer, bonne chance. Ici, on a le nid de nifleur. Le nid de l'Okami et le nid des beaux trucs. Un autre nid de beaux trucs et un autre qui peuvent être construits derrière juste comme des plantes. Un espace avec rangement accessoires. Ici pour mettre le poulet quand on le coupe. Un petit lavabo. Sur le côté, un sticker. Les côtés de la valise, comme vous pouvez voir. Je vais passer au milieu, qui est très intéressant. Alors, j'ai dit que le review allait être assez long, mais en fait, ça passe bien à date. On a quelques petites potions sur les côtés. On en a deux. Avec des pièces à paillettes que je ne sortirai pas, avec un petit lingot d'or devrait être là. Et de l'autre bord, on a la photo de l'état Lestrange. Les stickers au devant. Et maintenant, vous allez dire, c'est fini, mais non. Ne vous inquiétez pas, un gros kit comme ça, bien d'autres trucs à montrer. Entre autres, les bonhommes et les créatures fantastiques. Alors ça, je range ça. Oui, je sais, c'est très minuscule pour une valise, mais quand même, s'il aurait fait de la grandeur d'une vraie valise... Ça aurait été assez pricey. Pricey, c'est coûteux. Hein? L'air un pan, qui est très bien fait, avec la corde en avant. Tout est articulé. Les bras, les jambes. Je sais pas si c'était comme ça dans le film, mais ils ont pas fait de queue. Alors lui, quand il fonce dans quelque chose comme ça, paf. Eh bien, il charge. Et sa corne a un venin qui fait exploser des choses. Ça peut être mortel. Et à cause de ça, Jacob Kowalski, dans le film, n'a pas vraiment l'air... libre avec cet erreur pan là et en sécurité. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il donne Norbert Dragono, il donne une petite tunique un peu. Je sais pas si ça dit tunique ou. Je sais pas comment ça s'appelle, mais genre, on va appeler ça une tunique, ok, de protection. Et il y a un double visage. Désolé. Et les figurines à Harry Potter, je vais vous les montrer aussi dans une vidéo, ceux que j'ai. Je les ai pas toutes. Et
doré avec une strap, ça va avec son casque. Alors moi je l'aime bien. C'est assez une mini figurine assez cool là. En soi. Il y a Tina Goldstein, que je préfère ne pas me tromper de nom parce que son nom est assez British américaine. Même si elle n'est pas British américaine, elle est juste américaine tout court. J'ai l'autre kit Fantastic Beasts aussi. Et le kit Harry Potter que j'ai est dans une autre vidéo. Je t'invite à aller la voir, c'est la vidéo du repas d'Aragorn. Tina qui a une théière qui réfère à un moment du film. Je ne dirai pas lequel. Si vous n'avez pas vu le film. Une baguette brune pâle. Et une très beau jaquette. Bon, elle a juste des jambes noires, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre. On a aussi Norbert Dragono. Qui, lui, me surprend pas vraiment pour une minifig. Parce qu'honnêtement, il aurait pu faire mieux. Avec une fleur. Une fleur qui est très mignon. J'en ai un autre qui vient avec la mini-figurine de Newt. Parce que oui, Norbert Dragono, je l'ai eu. Je l'ai tous ceux-là d'Animaux Fantastiques et tous ceux-là d'Harry Potter, mais j'en ai eu une d'Animaux Fantastiques et 4-5 d'Harry Potter. Je vais essayer de sortir Queenie Goldstein de ce truc. Et j'ai oublié de vous montrer. Norbert Dragono, pas Norbert Dragono, Jacob Kowalski, désolé, avait un parapluie. Mais dans le film, ce serait plus logique que Queenie Goldstein ait un parapluie. Si vous ne l'avez pas vu encore là, je vous invite à aller le voir. Laissez-moi juste retrouver la baguette de Queenie qui est noire et que je ne vois pas en ce moment. Oh, je l'ai trouvé. Oups. Désolé, désolé, désolé. La baguette, elle veut pas s'enlever. Je savais pas que ça se pouvait de galérer autant pour une minifig. Mais bon. Queenie Goldstein qui ressemble beaucoup à Marilyn Monroe. Alors je sais que c'est un peu con, mais bon. Surtout avec cette tête-là, là, et les cheveux. Même coupe que Marilyn Monroe. Avec un beau outfit. Ben, en plus, c'est plus un in-fit. Un in-fit. Fit, en tout cas, outfit, in-fit, je sais pas. Là, mais elle met ça plus en dedans. Là, c'est plus une genre de robe de chambre. Ou un manteau. Mais en tout cas, ça a l'air d'une robe de chambre. Et à une deuxième expression. Que d'ailleurs, Newt aussi a une deuxième expression. Désolé, Paul vous l'avoir montré. Là, elle est un peu plus surprise. Newt, Scamander, Norbert Dragono, une expression qui est assez. Dans le film, il ressemble assez à ça quand il parle. Quand il est genre stressé. On passe à une autre créature qui est Frank. Oui, il s'appelle Frank. C'est vraiment, c'est un Thunderbird. Puis dans le film, il s'appelle Frank. Il vient d'Arizona. Sa bouche est articulée. Je vais vous montrer ça dans deux petites secondes. Comme ceci. Et je sais pas si ça. Oui, ça peut ouvrir plus grand. Des ailes, ça, qui est utilisé comme une pièce de liane en or. Pas plus de détails sur Franck, la porte qui a quelques collants. Le Camille, qui peut tenir debout, hein, il peut.
est assez cool. Faut lui donner une pose plus cool. Ses ailes peuvent bouger, bien évidemment, et la tête. Alors, c'est comme Franck. C'est pour ça que je vous montrerai pas plus de ça. Il y a aussi une petite pièce qui est représentée comme piquette. Le beau truffle du kit. Alors, voici la petite pièce. Et c'est fini. Merci d'avoir écouté. Et ciao.